d'après l'exposé de ce que vous avez dit tout à l'heure, on voit que vous affichez réellement que vous voulez toujours les étudiants dans votre structure. Mais réellement, nous, en tant qu'étudiants, si vous demandez par exemple à tous ces étudiants-là, si on s'oriente vers vous en général, bon, c'est toujours difficile d'avoir des stages. Et on aimerait savoir le blocage, ça se trouve où? Ça se trouve à notre niveau? Ou bien, qu'est-ce qui bloque en réalité? Parce que des fois, tu peux rencontrer des entreprises, par exemple, dans des forums. Ils peuvent vous donner, par exemple, leur carte de visite. Te dire, tu peux venir à n'importe quel moment, on va vous prendre et tout. Mais il suffit de revenir après. C'est comme si, bon, tout ce qui vous avait dit, bon, ça tient plus. Je ne sais pas maintenant, bon, le blocage, ça se trouve. Encore, j'aimerais aussi parler de la vulnérabilité des étudiants dans les entreprises. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis, de collègues, par exemple, qui sont dans les entreprises, qui font des stages jusqu'à 3 ans. Des stages qu'on renouvelle 2 mois, jusqu'à 3 ans. Et je ne sais pas si c'est normal ou pas. Et en tant qu'étudiant aussi, on cherche toujours à s'insérer. Et si tu vois que peut-être que ce n'est pas normal, mais tu ne peux pas, tu peux rien dire. Parce que si tu, par exemple, si tu refuses, il y a un autre étudiant qu'on va prendre à côté. Et c'est des questionnements qu'on se pose chaque jour. Et on aimerait que vous apportiez des solutions à ça. Merci. Les énergies renouvelables et leur